Télé délire. Jean-Marc Morandini. Et je vous propose d'accueillir Willy. Bonjour Willy. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Waouh, quelle ambiance. Alors, pour vous, mon petit Willy, la venue de Jean-Luc Lemoyne, c'est presque incroyable. Eh oui, car aujourd'hui, nous recevons un miraculé dans cette émission. Le bureau des plaintes continue, mais c'est pas passé loin, hein. Ici, Jean-Luc, nous n'avons eu de cesse de vous encourager. Tous nos spécialistes médias étaient unanimes. C'est nul, c'est chiant, j'ai jamais vu une émission si con. Jean-Marc a toujours été solidaire. Carton d'audience pour le bureau des plaintes. Non, je plaisante, 10%. Pourtant, c'est dommage, cette émission est bien, hein. Elle mériterait de continuer. Merci. Bref, vous le voyez ici, on y a toujours cru. Ça doit être bizarre de se sentir en danger sans arrêt. Au début, il devait vous envoyer les audiences par téléphone, puis par SMS, ensuite par courrier. Les derniers temps, c'était par pigeon voyageur. Oh putain, 9% d'audience. Va-t'en, oiseau de malheur. Bon, je vais quand même te garder à bouffer, hein, parce qu'on sait jamais de quoi demain sera fait. Faut dire que vous avez soigné le casting, hein. Bernard Montiel, Lio, waouh. La première fois que j'ai vu l'émission, je croyais que c'était un reportage sur Lourdes. Oh, des mourants qui parlent. Alléluia. Bon, on peut dire la vérité, Jean-Luc, nous nous étions vus, hein, l'été dernier pour envisager une participation dans cette émission. C'est vrai. Et plus vous ne m'avez pas pris. Vous avez certainement dû me trouver trop bon, mais je ne vous en ai pas voulu, hein, salaud. Hein, évidemment, ça arrive à tout le monde de rater un casting, hein, connard. Et franchement, si l'émission continue, ce qui m'étonnerait, car c'est quand même une sacrée merde, je ne manquerai pas de repostuler. Vous avez vraiment eu du bol, Jean-Luc, hein, parce qu'à France 2, ils ont préféré virer Laurie Chihuahua. Oh non. Et sa pourtant très réussie émission dans l'univers de des personnalités de renom mondial, hein, Lara Fabian, Élodie Gossuin, voilà, évoquait les chansons qui ont marqué leur vie. J'imagine l'accueil qu'a dû lui réserver Rémi Flinflin. Ah, asseyez-vous, Laurie Chihuahua. Bon, bah, Laurie, écoutez cette chanson. Voilà. Ça ne vous rappelle rien, Laurie? Non, bah ça va pas t'aller attraper quelque chose parce que tu te tires. Allez, hop, dégage! Et oublie pas tes croquettes, hein! La pauvre. Il paraît qu'elle a été pressentie pour présenter l'Euromillion. Tu m'étonnes, hein? Faut dire qu'elle avait déjà sacrément les boules. Vous passez donc au mardi. Le mercredi, c'est Guillaume Durand avec son émission où des Français posent des questions aux invités. Bon, c'est une pâle copie de notre club européen, hein. Alors, chez Guillaume Durand, c'est... Alors, monsieur Villepin, pensez-vous que la conjoncture mondiale invite à l'optimisme alors même que la zone euro traverse une crise de confiance comme jamais auparavant? Ici, c'est autre chose, hein. Harry Roselmack, hein, quel est votre type de femme? Voilà. Ne vous trompez pas, les vrais Français sont ici. Cher Jean-Luc, je vous dis donc merde, hein, pour demain soir. Je sais que mercredi matin, 9h, en attendant l'autre pigeon, vous serez en grande forme. Oh mon Dieu, pitié, faut que ça marche. Oh, si ça marche pas, qu'est-ce que je vais devenir? Oh, pitié. Eh bien, en cas de malheur, vous pourrez toujours vous passer de bons morceaux de musique chez... Voilà, ah, méchant. Merci beaucoup, Willy. Willy qu'on retrouve au Théâtre du Temple à partir du 12 janvier pour Willy en grand. Et...